la mouche dans la tête, ça bande, et puis là, tu vires ce qui te sert de chaussure, là. Voilà. Tiens, plie tes jambes, s'il te plaît. Quand t'es tombé, la clavicule, elle a pas pris un coup? Quand on veut qualifier la dextérité d'un praticien, quel qu'il soit, hein, que ce soit de l'ouvrier marteau-piqueur jusqu'au chirurgien en passant par le pianiste, par exemple le type qui est très utile et qui est comme une bête avec son marteau-piqueur toute la journée, on considère que ce mec c'est une main à deux doigts. Pour te donner un exemple à contrario, par exemple, on va considérer que la pianiste ou le pianiste, il a des mains à 6 ou 7 doigts. Ce qui est important, c'est que la main soit considérée comme un outil. Ça bouge. Sans la tourner, tu vas pousser la tête à gauche. Sans la tourner, c'est-à-dire tu vas pousser latéralement. Attends, quand je te dirai. Pardon.